Robert De Niro, célèbre acteur américain et lauréat de 2 Oscars, fait les gros titres avec l'annonce de sa nouvelle paternité. Si est-il lors d'une interview télévisée que l'acteur a inopinément dévoilé la naissance de son 7e enfant. En effet, lundi 8 mai 2023, lors de la promotion de son dernier film About My Father, la journaliste Brittany Blair a débuté une question en lançant « Je sais que vous avez 6 enfants ». Cependant avant même la fin de la question, le comédien rétorque « 7, en fait, je viens juste d'avoir un bébé ». Quelques jours plus tard, dans l'émission CBS Morning, l'animatrice Gayle King dévoile le nom et la photo du nourrisson. Effectivement, après l'annonce, l'animatrice a personnellement appelé Robert De Niro pour obtenir davantage de précisions. L'acteur et sa compagne Tiffany Chen ont accueilli le 6 avril, une fille prénommée J.I. à Virginia Chen De Niro. Le prénom Virginia est un clin d'œil au prénom de la mère de l'acteur de Taxi Driver. Gayle King précise que ce bébé était prévu, ils le voulaient tous les deux, et quel est le fruit de leur amour. Un père attentionné, Robert De Niro a 2 enfants de son premier mariage avec Diana Bott. Drena, 51 ans, que l'acteur adopte lorsqu'il épouse Diana Bott en 1976. Ensemble, le couple donne naissance la même année à Raphaël, 46 ans. Avec la mannequin et actrice Tuki Smith, l'acteur accueille Aaron et Julian, des jumeaux nés en 1995. Puis en 1997, il épouse Grace Hightower avec qui il a 2 enfants, Elliot, né en 1998, ainsi que Hélène, née en 2011. Le couple se sépare en 2018. Réputé pour être très impliqué dans la vie de ses enfants, Robert De Niro semble être ravi de sa nouvelle paternité.